À Villeverac, on a décidé de ne plus utiliser de produits chimiques pour la gestion des espaces verts communaux. Du coup, on a dû embaucher quelqu'un pour nettoyer et un cantonnier voilà, qui enlève les herbes folles. On ouvre des trottoirs et on les fleurit. Et après, il y a tout un tas d'aspects du projet qui est... c'est pas non au béton, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir tout entièrement minéralisé? Est-ce qu'on peut faire un peu de place au végétal là-dedans? On a récupéré l'ancienne station d'épuration, ce qui n'était pas simple. On a transformé ça en espace public, type jardin sec. Depuis 2009, ils ne sont plus arrosés. Et ça pousse très bien. J'ai dû planter en moyenne 300 arbres. J'en plante à peu près 50 à 80 par an. D'accord. Dans toutes les rues du village, il y a des arbres partout. Les chasseurs sèment chaque année environ de 15 hectares de jachères fleuries. On a aussi planté, toujours avec les chasseurs et les écoles, des haies mellifères. Donc mellifères, c'est pour les abeilles. Les courts-circuits, on a créé des groupes d'habitants qui commandent sur une mercuriale, sur un listing chaque semaine à une trentaine de producteurs. C'est livré dans le village, mais pour moi c'est très important que c'est aux habitants de s'organiser pour faire la distribution. Donc les carottes et tout arrivent en vrac et c'est eux qui pèsent et qui... voilà. La commune a mis en place avec le département, avec la chambre d'agriculture de l'Hérault et un groupe d'agriculteurs, un marché de producteurs de pays. L'idée, c'est que ce soit que les producteurs qui vendent leurs produits. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, ça, c'est fait pour valoriser les circuits courts. Je récupère des déchets organiques. On a un élagueur qui n'est pas très loin d'ici, qui produit des tonnes et des tonnes de broyat. Pour lui, c'est un déchet. Moi, quand ça vient ici, je les composte, c'est une richesse. Le truc tout simple, c'était de réduire les déchets. Récupérer à la déchetterie tout ce qui était récupérable en l'état et vendable. Le triporteur, en pleine action comme il est maintenant, c'est 52 tonnes de déchets divers qui sont revendus. L'idée, c'est de collecter des encombrants, de les réparer, éventuellement faire de la création à partir de ces encombrants, et surtout de les remettre dans le circuit. Par de la vente ou du don, pour éviter que ça finisse à l'enfouissement. Et bien sûr, faire de la sensibilisation à la réduction des déchets et à des changements de nos modes de consommation. Dynamo, c'est un atelier associatif, qu'on dit coopératif et solidaire, de réparation de vélos. On recycle des vieux vélos. Quand on peut les réparer, on les remet en état, on les révise et on les revend pas trop cher. Donc ça permet à des gens qui ont peu de moyens de pouvoir avoir un moyen de déplacement autonome. Et quand on ne peut pas les réparer, on les met en pièces, on réutilise tout ce qui est réutilisable et on recycle et on trie les différents matériaux, les différents métaux. Donc voilà, un double objectif écologique et social. Si on faisait vraiment de la récupération tous azimuts partout où on en a identifié, c'est 200 tonnes, 300 tonnes qu'on rentrerait. Le parc qu'on va construire, là, c'est 4 machines qui vont alimenter en électricité 18 000 personnes. C'est pas normal que les fruits de cette ressource locale quittent le territoire, alors que les seuls inconvénients, même s'ils sont minimes pour des énergies renouvelables, les seuls inconvénients sont pour le territoire. Donc autant que ce soit les habitants du territoire, leurs représentants, les collectivités, qui récupèrent cette ressource. À chaque fois qu'on change, qu'on aménage une rue, on met du LED. Là, par exemple, je suis en train d'éclairer le stade de foot et j'ai mis du LED. Ces déplacements doux, on les orientent tous sur des lieux stratégiques, donc l'école, déjà, pour que les enfants puissent aller à l'école en vélo ou à pied, sur la place, et sur les différents bâtiments publics, halles des sports, terrains de foot, etc. Donc tout est orienté pour que les gens puissent circuler au maximum à pied ou en vélo. On a souhaité installer une aire sur Vendargues. On est référencé sur le site de l'agglo, dont les gens savent qu'il est à disposition. À Villeverac, on a décidé de mettre en place un ramassage scolaire à pied géré par les parents. Tous les matins, tous les midis et tous les soirs, les enfants vont et reviennent de l'école à pied. Le lundi matin, ça va être le parent 1, le mardi matin, ça va être le parent 2, etc., en fonction des disponibilités de chacun. On a décidé l'accompagnement hippomobile des enfants à l'école.
qu'on est parti de 7 ou 8 enfants et que maintenant on en est à 105. Donc qu'est-ce que ça nous apporte plus exactement? Ben, c'est moins de rejets de gaz à effet de serre, c'est moins de nuisances, qu'elles soient olfactives, qu'elles soient sonores, c'est des créations d'emplois, c'est du social. Bien évidemment, plus personne n'est en retard le matin pour arriver à l'arrêt de bus. Et on connaît même des personnes qui habitent à côté de l'école et les enfants demandent aux parents de les accompagner à l'arrêt le plus loin pour profiter au maximum du, pour profiter au maximum du cheval. La mairie était propriétaire d'un terrain, on a fait tout l'aménagement, on l'a séparé donc en 55 parcelles, on a fait signer une convention à toutes les personnes attributaires et notamment l'interdiction d'utiliser tout type de désherbants. Le verger potager partagé fonctionne donc en collectif. L'idée de ce projet, c'est de jardiner ensemble. Nous nous retrouvons sur le terrain, nous voyons ce qu'il y a à faire, nous décidons ensemble ce qu'on va faire. Donc, maintenant, j'ai un jardin de 2300 m2, mais, mais avec les autres, je n'ai pas besoin d'avoir ça que pour moi. L'association Coup de Pouce, qui aide les enfants en CP, qui ont des grosses difficultés de lecture et d'écriture. Et donc là, à partir du mois de novembre, les institutrices de CP ont repéré les enfants en difficulté. Et donc là, j'ai des bénévoles du village qui les aident à apprendre à lire et à écrire, mais de façon totalement parallèle par rapport à l'école. On a mis en place un potager et un verger dans les jardins des écoles pour faire travailler les enfants justement sur tout ce qui est le vert, le retour, la saisonnalité, voir comment une plante pousse, quand c'est qu'il faut l'arroser, enfin voilà. Pour moi, il ne faut pas détacher la restauration scolaire des autres éléments de la journée d'un plan pédagogique. On prend le temps de dire aux enfants, eh bien voilà, je vais te raconter un peu ce qui est là-dedans. Et ça, ça vient de la vallée à côté. Et là, le producteur, on l'a déjà vu parce qu'il est d'ici. Quand on intervient au niveau du goût, c'est aussi avec un vocabulaire du goût pour que le vocabulaire sur la nourriture ne soit pas simplement « ouais, c'est bon ou c'est nul ». On travaille sur la question du gaspillage parce que c'est un sujet où les jeunes sont archi-sensibles et c'est intéressant pour eux, par exemple, au mois de septembre, de peser tout ce qu'on jette après le repas et puis, au cours de l'année, de repeser à certains moments pour voir si on fait des progrès. Les enfants en grande difficulté seraient accueillis à la maison de retraite et aidés par des personnes âgées, généralement dans un institut ou prof, pour faire leurs devoirs. J'ai décidé d'ouvrir la cantine aux anciennes du village. On est contents d'entendre piailler les gosses. Déjà, ça nous sort de notre solitude. Et puis après, on se rencontre et on discute. On nous laisse discuter jusque vers 3 heures. Et voilà, la solitude pèse moins. C'est fantastique, on ne peut pas s'imaginer, disons, ce que peuvent se raconter enfin, bon, les personnes âgées et les enfants. Ici, il y a un conseil municipal des jeunes, donc qui est élu chaque deux ou trois ans. Et bien sûr, ils mènent des actions. Et par exemple, je sais que de temps en temps, ils vont dans la maison de retraite faire des jeux avec les personnes âgées. On a décidé... de prendre soin des personnes qui vieillissent sur la vallée, sur les entremonts, et de leur apporter une solution à l'isolement. Voir des personnes âgées rester toutes seules dans une maison, à des fois une altitude de plus de 1000 mètres, nous, ça nous posait problème. En locatif, au rez-de-chaussée du bâtiment, à l'étage avec des familles, et puis une salle annexe qui permettrait un lieu de vie un peu intergénérationnel. Il y a 25 logements, dont 4 pour des jeunes de moins de 25 ans et 21 pour les vieilles. Les vieux de tout temps ont été les vieux débris, les vieux qu'on collait dans un coin. La retraite, c'est aussi la retraite. La maison des Baba Yaga, elle entend bien ne pas rester murée dans sa jolie maison, là, dans son bel immeuble, mais faire des repas de quartier, faire des cinémas débats, faire des conférences débats. L'initiative, c'est venir vivre dans un éco-village intergénérationnel. J'ai décidé de m'occuper du jardin des enfants. Pour ceux qui veulent, qui ont des ateliers,
Et bien, ils viennent avec moi et je leur fais faire des petits travaux. On a décidé d'échanger, de créer un réseau d'échange de matériel et de compétences entre personnes qui sont proches les unes des autres. Toi, tu sais faire de la mécanique, toi, tu sais faire de l'électronique, toi, tu sais faire du pain, toi, tu sais escalader, toi, tu sais traire les vaches, toi, tu sais coudre, toi, tu sais cuisiner. Et bah, écoute, on ne se connaît pas ni d'Adam et d'Ève, on n'a pas besoin d'aller à l'Intermarché pour acheter mon truc de recette. Des gens qui, par exemple, peuvent aller tailler une haie, en échange, la dame gardera les enfants, etc. Donc c'est un système d'échange, hein, mais qui est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent. Et c'est bénévole. Au lieu d'en avoir deux, d'en avoir un pour deux, quoi. On a mis progressivement en place une charte d'utilisation. C'est celui qui s'en servait pour le travail qui était prioritaire. C'est celui qui remplissait la voiture avec plus de personnes qui était prioritaire. Parce que quelquefois, on en avait besoin en même temps. Et donc, il fallait bien trouver des critères pour dire qui finalement en aurait l'usage. Pouvoir créer un échange. Entre jardiniers d'un même village. Chacun de son côté voit ce qu'il a en réserve, garde d'abord ce qu'il a besoin pour sa propre famille et ensuite peut le surplus partager, il y a toujours du surplus, partager ce surplus et l'échanger. Cercle, double lien, la prise de décision au consentement, des propositions sont faites, sont améliorées, jusqu'à ce que chacun n'ait pas d'objection à apporter par rapport à la proposition qui est faite. On applique quelque chose qu'on appelle, un peu pompeusement peut-être, la sociocratie. Ça veut dire que lorsqu'on prend une décision, comme partout, il y a des gens qui sont pour et il y a des gens qui sont contre. On ne fait pas comme dans la démocratie, où quand il y a un vote, on dit « bon, ben, maintenant vous... » vous avez voté non, contre, ben, tant pis pour vous, hein, c'est la majorité, vous êtes obligé d'accepter. Là, c'est plus subtil, on revient vers les personnes et on essaie d'être sûr, avant que la décision soit prise, que ces personnes peuvent supporter la décision qui est prise. On avait envie qu'il y ait un outil qui permette de savoir ce que font les gens, comment ils peuvent collaborer ensemble et comment ils peuvent construire ensemble éventuellement des solidarités. Pour ça, on a un site qui est à la fois agenda de ce qui se passe, mais aussi petites annonces. Et les petites annonces, ça peut être des annonces marchandes, mais c'est surtout aussi des annonces non marchandes. Donc quelqu'un a besoin d'une grelinette, va demander, tiens, est-ce que quelqu'un peut me prêter une grelinette ? Une débroussailleuse, etc. Il y a des comparaisons faites entre la culture et la dimension sacrée, et la religion, où on met sur un piédestal l'artiste. Et donc là, c'est vrai qu'on le fait descendre de son piédestal. Il y a cette volonté, en effet, de faire rencontrer le public et les projets culturels autrement. Comment faire en sorte que ça ne soit pas toujours une élite qui décide pour d'autres ce que c'est que la culture, qu'est-ce que sont les œuvres dignes d'intérêt et comment remettre le public finalement au centre de ce choix. C'est très festif parce qu'on installe des tables, donc les gens mangent des assiettes fermières, on fait venir un groupe de musique et il y a de plus en plus de personnes chaque année, on est à plus de 500 visiteurs par soir, on n'a même pas assez de chaises et on n'a même pas assez de tables pour accueillir tout le monde. C'était magique, hein. Il y avait des gens qui te disaient on se croirait au cinéma, on se croirait dans une scène de film, tellement c'était beau, tu voyais des gens différents qui descendaient en portant des plats, qui installaient la table, tout ça, tu vois, dans un quartier c'était magnifique, enfin, c'était d'une beauté incroyable, tu vois. Tu es dans le quartier, tu es chez toi, les gens ne regardent pas ce que tu fais, ils te regardent pas ça, bonjour et tout ça, mais par contre, si tu as besoin de quelque chose, t'as immédiatement tout le monde qui descend, quoi. Ils entendent parler, tu cries, t'as plein de gens qui viennent et qui t'aident à faire quelque chose, tu comprends ? Et ça, c'est la vie rêvée, en fait, c'est paradisiaque, ça, tu vois ?